Bonsoir tout le monde, jeudi, c'est jeudi 24 mai 2018. Bienvenue dans le journal Mi-temps Journée sur télévision nationale d'Haïti. Pourquoi il est là en ce moment pour nous recevoir collaborateur William Polydor pour conditions météorologiques Journée. Bonsoir William. Jeudi 24 mai 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique. Là, temps est très stable sous pays et en pile va vanter un bel soleil et température à la aujourd'hui à en la raison qui fait ça. Nous avons une zone de haute pression qui toujours influencer conditions météorologiques là sous région Caraïbes là jeudi à et zone de haute pression ça non seulement jeudi à influencer conditions temps mais demain et au cours de week-end on a bien un temps qui ensoleillé sur tout pays là, avec vent cap soufflé et des vents qui arrivent jusqu'à 40 km/h, c'est à dire que nous avons senti fait vent sous pays là, pour jeudi à majorité département concerné par vent cap soufflé sous pays à main qui a une possibilité pour gagner quelques averses isolées. Je ne sous modèle de précipitation. C'est vraiment quelques averses isolées, disons, dans le centre Altibonite avec le sud-est, surtout l'extrême sud-est. Mais à part de ça, pour le pays, c'est du beau temps, avec bel soleil et puis temps cap venteux au cours de journée. Et n'a pas senti effet vent pendant journée et même au cours de nuit. Là. Pour capitale avec zone qui a violé son capitale qui en bas instabilité avec un jus de beau temps soleil avec vent Jean-Noël sous Imaïsa, mais tout il y a bien température cap très haut, la fait 35 degrés aujourd'hui et puis la descend dans nuit là c'est 24 degrés et n'a pas senti effet chaleur aussi au cours de nuit là, mais dans l'ensemble pour tout pays assez beau temps et nous capable profiter de week-end ça pour nous aller faire excursion avec tourisme local parce que n'a bien un beau temps sous pays d'Haïti. La mer a même li agité à faute sous ni côte nord ni côte sud par rapport avec zone de haute pression qui continue à pousser vent sous pays a en ce sens nous des capitaine d'embarcation précaution avec prudence si tout l'air a entré dans fond la mer parce que dans zone côte nord et côte sud pays d'Haïti la mer a agité à faute sous zone côte ça yo et pour pas j'ai sur le micro sur la couche jeudi à 7h20 minutes et la pleuvé demain matin à 6h13 minutes. Mesdames, messieurs, merci pour filer nous avec attention. Nous n'a croisé demain pour l'autre page météorologique. Voilà, c'était avec nous William Polydor pour page météorologique là. Merci William et bonne fin de journée. L'autre information dans le journal ça, président public là, Jovenel Moïse, visite travail qu'a fait dans Rivière Moments, dans Léogane, week-end qui saute passé. Chef l'État renouvelé volonté pour quitter toute rivière qui qu'on a bail problème dans le pays. L'aide l'eau descend dans le cadre caravane changement. Nous invitons à suivre un reportage avec Anne-Marguerite Auguste. Visite ça permet le président République Lan Jovenel Moïse constater à Dégil état d'avancement travail. C'est 10 km curage qu'a gain pour fête dans rivière Moumans, sorti juste dans mon côté tête rivière Ayé pour Albout juste dans bouche la mer. Chef l'État dit li conscient de dégâts rivière qui connaît bail problème yo sous bien paysan yo. Dans sens ça li dit li tend décrit tout monde qui en bas menace rivière ça yo. Li invité yo rete calme, y a travail pour curer rivière yo yon après l'autre. Côté gagner 10 km de curage qui vous faites sur rivière ça. Cap sorti depuis côté rivière sorti dans deux monde yo pour arriver juste dans la mer. Nous a travail pour que nous curer tout rivière qui compte bail problème dans pays. Rivière moment c'est on nayo qui compte bail pile problème là il y a inondation. Moun yo qui a vivre dans zone bord ici là. L'eau prend affaire yo, l'eau prend jardin yo, maintenant n'a travail pour mettre l'eau dans rôle pour que rivière suspende fait dégâts dans pays. Moi dit tout le monde garder calme yo, nous connaît travail yo pas qu'à faire un seul coup mais nous déraper parce que j'en nous entendre grand pile moun qui a parlé mais ça qui est important. Nous déraper tout travail et nous nous garantir pendant le mandat que nous avons toute rivière qui compte bail problème dans le pays n'a curé tout. Député Léogane, Jean Wilson Hippolyte salue engagement chef l'État pour curer rivière Moumans dans Léogane qui te compte toujours mettre de l'eau dans la population léoganaise là. Les croix initiatives ça c'est récompense moun Léogane commencer à bénéficier dans place vote roi. Parlementaire a annoncé qu'il y a une passerelle qui a créé sous rivière pour faciliter va-et-vient population, même si rivière a descend. Président déterminé pour le bon service dans la commune Léogane, il est déterminé pour le bail population service, n'a pas demandé population léoganaise pour le tête frette pour le temps de service sur rivière sous lit. Nous avons un gros travail qui commençait, les travaux de construction de la route de Dorbonne,
Bientôt, les travaux de construction de l'avenir colonial, oui, ça ira. Et d'autres chantiers encore pour l'ouvrir dans la commune. Nous avons des populations pour attendre nous. Rete pour te coller avec nous. Rete soudé avec nous. Pas attendre ça. Et l'autre monde a dit, qui peut être dans l'opposition stérile, dans l'opposition négative, pour être attaché avec nous, pour ça vous voter. C'est pour que vote. Vous êtes bon nous à tous les niveaux. Députés Kazek, Azek, délégués de ville, sénateurs, présidents. C'est pour que nous devons tourner votre ça sous forme de service bayo. Curage Rivière Sayo fait partie promesse électorale président République là face à dégâts Rivière Sayo te kon fait dans pays a. Travail qu'a fait yo pral permettre Rivière yo tourner dans cabane yo, ça k'ap empêcher moun victime dans époque la pluie ak cyclone. Voilà, on t'a suivi une visite d'un président de la République, Jovenel Moïse, t'es fait dans Rivière Moumans, dans l'Éogan, week-end qui sous passé. Merci Anne et Micho. Reine pays Espagne là, Laetitia Ortiz Roca Solano mettait bout à mercredi à qui ont visité des jours en pays à avant reine aller les visiter ensemble à première dame là Martine Moïse diverses institutions tant coup Saint-Cesse et Vincent Paul dans cité Soleil misé Panthéon national haïtien président République là Jovenel Moïse qui était gain à première dame là premier ministre Jacques Guy Lafontaine recevoir reine Laetitia Ortiz non palais national Rachel Sefort n'a rencontré. C'est une ambiance qui est contente. Responsable Saint-Vincent de Paul dans la cité Soleil, yo recevoir reine pays Espagne, Sa Majesté Laetitia Ortiz, à première dame République Martine Moïse, mercredi 23 mai. Champo et Magdan, c'est parmi diverses performances. Élève l'école Saint-Louis de Marie-Lacquio offrit dans l'occasion pour dire reine Espagne à première dame, nan, bienvenue. Activité ça te occasion tout pour reine Espagne la première dame république là avec ministre intérieur à collectivité territoriale là rencontrer responsable Saint-Lan professeur élève garde travail religieux à faire dans Saint-Lan dans domaine éducation et santé responsable Saint-Vincent Paul de cité Soleil offre divers cadeaux par première dame nan Martine Moïse et puis reine Espagne là sa majesté Laetitia Ortiz comme symbole fraternité amitié solidarité en deux pays yo. Tout de suite après Saint-Lan, président République là Jovenel Moïse, à première dame nan Martine Moïse, accompagné premier ministre là Jacques Lafontaine, recevoir reine Espagne là dans palais national. Misé Panthéon national haïtien, c'est troisième espace reine Espagne là accompagné première dame République là, visité côté li rencontrer femmes qui représentaient divers secteurs dans pays a parmi yo, ministre conditions femmes ak droits femmes nan, Eunide Innocent, directrice générale Mupana Michel Friche, directrice générale Institut bien-être social ak recherche là Ariel Gentilville Douin. Série visite reine pays Espagne là sa majesté Laetitia Ortiz bout dans lycée Alexandre Pétion côté reine Espagne là rencontré professeur qui bénéficie projet coopération espagnole là à divers élèves lycéa qui profitent occasion pour montrer reine non nécessité pour renforcer apprentissage langue espagnole là dans pays là et puis remettre li yon portrait yon élève l'école la fait. Le dossier dans le journal sa rectorat, Université d'État d'Haïti, organisé mardi 22 mai, une cérémonie hommage pour professeurs, membres personnels retraités et étudiants dans l'Université d'État d'Haïti. Objectif en cérémonie ça, c'était honorer 13 professeurs et membres personnels et puis 3 étudiants pour travail réalisé dans l'UEH. Un reportage avec Roosevelt Desrosiers. Yon si tout pour rectorat Université d'État d'Haïti pour mettre plaque au nez avec mérite by 12 professeurs et membres personnels retraités qui passaient en 30 à 47 l'année dans le service Université d'État d'Haïti. Professeur Alix René recevra cadeau pour prix 2017 Société haïtienne Histoire, Géographie et Géologie. Étudiant Jean-Ederson Jean-Pierre et James Plaisimont jouent cadeau pour prix concours rédaction scientifique ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Étudiant Danoval Charles recevra cadeau pour prix concours plaidoirie sous Douamoun, bureau Douamoun en Haïti. Personnalité spéciale, cérémonie au Maïsa, c'est ancien recteur UEH là, Jean Vernet Henry. C'était avec engouement, recteur actuel là, Fritz Deshommes, présentait plus passé une dizaine de travail ancien recteur a réalisé dans UEH là. C'est sous mandat Jean Vernet Henry que la notion de laboratoire de recherche vient brancher et très rapidement. Nous avons gagné le premier laboratoire de recherche dans tout pays qui est habilité à recevoir
des doctorants. C'est sous mandat Jean-Vernet Henry que les éditions de l'UEH créent et tout le monde connaît fonction d'une maison d'édition dans une université pour la recherche, pour l'enseignement, pour les services à la communauté. C'est sous Jean-Vernet Henry que l'université a commencé à mettre base pour le fonctionnement des enseignants-chercheurs à travers l'augmentation du nombre des professeurs à plein temps et à travers tout, ils ont début de réglementation. C'est sous Jean-Vernet Henry que l'université a créé ses premières revues. Pas, pas vous dire que c'est la première fois que l'université a créé une revue, et puis une bonne revue, mais revue de l'université. Et c'était un rêve, Jean-Vernet Henry, pour que l'Université d'État gagne deux grandes revues. Une revue des sciences sociales, des sciences humaines et sociales, qui c'est Chantier, la revue Chantier, et une revue en sciences pures et appliquées, qui c'est RED. Ancien recteur UH, là, Jean-Vernet Henry, pas de cacher sentiment qu'a traversé l'île dans l'occasion. Il exprime sa satisfaction pour quel programme il a réalisé dans l'UEH là, l'IOE qui toujours a marché. Je veux remercier l'université du fait que bon, il y a un ensemble de bagailles que je fais, mais que je contribue là, pas que moi, je me fais, je m'excuse, je contribue là, et je me suis marché, il y a une reconnaissance. Bon. Ça va être une satisfaction. Moi-même, moi, je suis un monde qui débutait dans l'université. Je passe tout étape. Je passe moniteur, assistant professeur, professeur. Moi, je suis assistant directeur de département, vice-doyen, etc. Jusqu'à ce que je fasse tout échelon dans l'université. Et bon, mon ami Fritz dit tout, enfin le recteur. J'ai toujours choisi de travailler à l'université d'État. Cérémonie hommage pour professeur Akman personnel retraité et puis étudiant dans l'Université d'État d'Haïti, déroulé dans la présence de plusieurs doyens, professeurs et étudiants dans l'UEH. En même temps, quelques membres de famille et amis qui ont accompagné Mounio honoré. Nous avons suivi un déroulement, cérémonie hommage à quelques professeurs, membres personnels et puis quelques étudiants dans l'UEH. Ministre Kilti à communication, Joseph Guilherme Sedelva, condamné Zak Briganda et employé factory au FEMA du 22 mai, dans le cadre de manifestation, il a été organisé. Ministre Guilherme Sedelva, c'est dans le dialogue, tout dossier à régler pendant l'annoncé, il y a ensemble mesi accompagnement en faveur employé dans le factory. Richardson Jourdan. Non, sur la pi, le parc industriel là. Côté gagné des actes de brigandage qui fait que nous condamnés. Parce que si gagné des mouns qui voulaient manifester, ou bien un syndicat qui dit à réclamer droit, bon, j'en vous fait ça. Ou pas gagné droit pour apprendre et briser. En dedans, son appui à même, gagné des actes de violence qui gagné vite écrasé, gagné des actes de. Brigandage qui fait que nous n'avons pas pensé que des mondes qui disent c'est syndicat ou bien c'est des ouvriers pour entrer dans le même lieu que tu as travaillé là pour faire des dégâts. Et ça a effrayé investisseurs qui voulaient venir investir dans le pays et particulièrement dans le secteur ça. Il y a des revendications qu'il a fait passer, mais nous dit que ce n'est pas dans la violence pour le fait. Et il y a une procédure qui est en place pour arriver à. Et on a dit fixer un salaire minimum, c'est pas le gouvernement qui pour le faire, c'est conseil supérieur des salaires qui vient pour le faire, et qui vient là dans le patron, qui vient là dans le syndicat et tout. Et donc, avec le gouvernement, donc on voulait attirer l'attention sur ça. Et dans le cadre de mesures sociales, tout, que le gouvernement apprend pour adresser des problèmes que le monde qui pi bas a subi, et même des chauffeurs, parce que chauffeurs et tout, il y a une population, il y a un problème partout, et bien, au Fatma, bon programme que au Fatma a mis en place là, pendant la parler là, avec le gouvernement haïtien, pour
bail assurance à 500 chauffeurs. 500 chauffeurs pour être capable de bénéficier de assurance leur malade pour être capable d'aller à l'hôpital. Tout ça, c'est des efforts que le gouvernement a fait. Par exemple, dans le parc industriel, là tout, au Fatma, déployer des équipes qui sur place à aider, collecter informations, collecter données pour bail mounio carte de santé. C'est des bagages qui ont fait qui en cours pendant que nous avons parlé là. Donc, un pile investissement que le gouvernement comptait faire et il commençait à faire, qu'il comptait renforcer dans la question sociale, qui fait que des mesures qu'il peut prendre pour l'État capable de booster l'économie avec, par exemple, taxes pour le collecter, recettes pour le collecter, donc la population en même temps est capable de joindre un soulagement avec investissement ça a fait sur le plan social. On t'a suivi en précision, ministre Kilti à communication, Joseph Guilherme Sedelvan, un micro, Richardson Jourdan. Ministre Affaires sociales et travail, Stéphanie Auguste, en présenté système information, ministère Affaires sociales et travail, mercredi 23 mai 2018. Là, j'outil information ça, qui peut être non 6 mars, temporal, permettre l'État haïtien ensemble avec Patnelio, gain information sous quantité monde qui plisse dans situation difficile dans le pays. Travail pour mettre système ça arrivé possible grâce à 6 ports financiers. USAID et Union européenne. Johnny Arby Kaseus n'a rencontré un dit. Système information, ministère Affaires sociales et travail, CIMAST, c'est un outil informatique qui gagne la dernière série d'informations sous situation sociale et alimentaire, moun ki pi pov nan peyi a, d'après ministère Affaires sociales et travail, Stéphanie Auguste. Selon ministre, l'information sa yo doit permettre l'État haïtien pi bien coordonner assistance ya bay population. Après 4 ans de coopération, de support technique de l'Union européenne, de PAM, de l'USAID, côté Kounian là, nous officiellement nous sortis ces concours sont un petit monde qui était en conception, jodi a li accoucher, li fait nous montrer qui sa système nan ye, et li lè li temps pour Haïti gagner un registre unique côté c'est lui même qui kembe toute information et non comme international nan comprendre c'est pas qui pour gagner information mais c'est nous-mêmes qui pour gagner que nous-mêmes yo capable approprié de lui. Ambassadeur États-Unis en Haïti, Michel Sison souhaitait information cap sorti dans Simasio doit rester comme élément fiable et référentiel pour toute entité qui t'a souhaité utiliser données ministère Affaires sociales et travail pour venir bailler aide en Haïti. J'espérons que tous vont utiliser Simast dans leur travail pour soutenir le peuple haïtien. Nous espérons aussi que CIMAS contribuera à réduire ou à éliminer la perte d'informations importantes à la fin de la période d'exécution des projets de développement ou la protection sociale. Et nous espérons que CIMAS se développera dans les années à venir comme plateforme de partage de données et d'adoption de mesures communes pour évaluer les progrès accomplis par rapport aux objectifs communs. Les résultats de ce nouveau système seront démontrés aujourd'hui. Suite à l'apport de l'USAID, notre assistance bilatérale, cet effort créera une base de référence non seulement au niveau du développement technique d'un système basé sur le web, mais aussi par le biais d'activités de renforcement des compétences des cadres du MAST, ainsi qu'avec des enquêtes menées auprès des ménages au niveau des communes. Ambassadeur Union européenne en Haïti, Vincent Degère Soubopal, souhaitait outil ça tourner un véritable registre protection sociale dans niveau national. Yon façon pour permettre moun ki nan besoin yo vinn gran moun tèt yo. Et là, avec cet outil, nous allons franchir un pas. Nous allons non seulement avoir une base de données des plus vulnérables, mais aussi des indications sur quelle est leur situation familiale, quelle est leur situation en termes de malnutrition, et qu'est-ce que l'on peut faire, quels sont les besoins qu'ils ont, et comment est-ce qu'on peut y répondre de manière plus pertinente. Ministre Affaires sociales et travail là, Stéphanie Auguste, expliquait ministère qui est enregistré dans la base de données plus passer 1 million moun qui nan situation vulnérable dans 6 départements. SIDES, Nord-Ouest, Latibonite, l'Ouest, Centre et Grand-Anse.
L'autre nouvelle, il y a une délégation, direction centrale police judiciaire DCPJ, doit rendre en Valentin dans le pays Chili pour aller faire prélèvement empreinte pour plusieurs compatriotes haïtiens qui vivent au Chili dans le cadre de régularisation dossier par rapport à la nouvelle loi sur l'immigration gouvernement chilien fait qu'adopter. C'est ça, un président commission justice, sécurité, défense nationale, la Jean-Renel Sénatus fait qu'on est. Après une rencontre, mercredi 23 mai 2018, là, il était gagné avec ministre justice et sécurité publique, là, ministre intérieur à collectivité territoriale, là, Jean-Rudy Ali, avec Jean-Marie Rinaldo Brunet. Bon côté PAL, sénateur Pierre-François Sildor fait qu'on est là pour continuer à encourager le gouvernement dans quatre démarches là fait pour régulariser la situation compatriotes noirs dans le pays Chili. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Fédéric Confident avec Maurice Wilbridge. La bonne nouvelle, c'est que nous connaissons, semaine dernière là, le ministère des Affaires étrangères t'a pris engagement, il t'a dit, rapidement, l'argent que tu m'as payé, $80 pour te gagner pièce, l'autre bois, qui c'est certificat bonne vie et meslan, il t'a réduit à $25 américains. Nous t'avons continué à regarder, ensemble avec l'autorité, comment traitement après allié, mais la DCPJ, qui est sous tutelle ministère de la Justice, li pral gen mission pour le voyer, un groupe, policiers, au Chili, qui pral gagner pour traiter sur les lieux mêmes, dossier, ressortissant nous cap gagner pour venir demander certificat bonne vie et meurtre, ça ou les casiers judiciaires là. Alors que l'ONI, lui-même, qui est sous tutelle ministère de l'Intérieur, li pral gagner pour livrer des certificats, puisque tout le monde a gagné, non, mais déjà, alors, majorité là, ont gagné des cartes qui ont identifié, mais qui sont capables d'expirer. Ministère là, pral gagner pour émettre des certificats pour montrer que moun sa yo, c'est haïtien natif natal. C'est pour dire, n'a pas continué le travail. Je vous dis, ya, nous entendons, nous avons fait synergie pour nous aller au secours, yo. Et on, là, nous devons saluer, travail qui est déjà effectué par exécutif dans le sens que vous avez déjà penché sous question et il y a des réponses que vous bail, il y a des papiers que vous venez avec nous pour montrer comment il a avancé. Nous bat bravo pour ça, il a dit haïtien, haïtien qui au Chili yo et n'a pas avancé sous yo, n'a pas travaillé pour nous garder comment on capable porter réponse et même le Sénat dans cadre travail contrôle long a envisagé une tournée de contrôle là-bas pour nous garder est-ce que tout engagement qui prend ici yo est-ce que il a respecté à la lettre. Nous-mêmes nous là pour nous fournir toutes pièces que besoin pour travail. C'est en ça nous y est, c'est une demande que vous faites. Et nous là, comme l'État, c'est-à-dire que ce soit la justice qui est là, que ce soit le Parlement, l'exécutif, pour nous répondre à demande. Et ça nous connaît, c'est que c'est une demande qui a jusqu'à juillet 2019, mais il peut prendre pile temps. C'est ça qui fait qu'on focus sur lui-même. Et on a toujours fait rencontre ça pour nous voir à ce que si déclaration au niveau des exécutifs là, l'Ikembe, pour permettre maintenant jeunes citoyens et citoyennes à jouer dossier à temps. Toujours sous même dossier, le gouvernement prend toute disposition pour faciliter le processus de régularisation des compatriotes haïtiens qui vivent dans le pays Chili. Dans la fournie pièce d'identité qui est nécessaire d'après le ministre de Justice et Sécurité publique, là, Jean-Rudy Ali. Sous Bopal, ministre intérieur Jean-Marie Rinaldo Brunet fait connaître, c'est plusieurs ministères qui mettent tête ensemble dans le dossier SILA qui ont en pile importance pour pouvoir en place là. Il extrait toujours dans le micro Fédéric Confident avec Moïse Wilbridge. Ensemble de ministères qui concernaient, ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, nous travaillons ensemble pour adresser le problème. Comme ça, nous avons désigné des policiers qui pourraient aller au Chili, et les matériels que nous avons besoin, nous travaillons sur le dossier pour permettre que les citoyens qui vivent au Chili soient capables de joindre une réponse à problème qui gagnent, à savoir problème pour gagner certificat casier judiciaire, certificat de police. Ensuite, documents d'identité que tu as besoin, l'ONI qui est le ministère de la Justice, disponible pour le certificat à Montao. J'ai déjà la DCPJ, lui-même, qui est mobilisé sur la question. Hein. Donc, nous travaillons de concert au niveau de l'exécutif, tout ministère qui concerne eux pour être capable d'adresser le problème non, en temps réel. Voilà. Le gouvernement chilien a demandé nous et qu'il y a PDO et qu'il y a besoin de certaines pièces et que pour le cas peut-être régulariser cas. Et haïtien pareil nous qui au Chili. Quantité par rapport à quantité moun qui gagne l'autre bois et puis par rapport à quantité prélèvement que a fait justement
empreinte et dans DCPJ que a fait la Kounia qui au nombre de 100 si on prend quantité haïtien ça au Chili puis on t'a fait 100 par jour il t'a prendre au moins 3 ans pour ça t'a régulariser. Or nous avons délai jusqu'à juillet 2019. C'est là nous devons une nécessité après une nécessité pour nous faire une synergie ensemble pour nous qui j'ai peut-être nous aider Frère Action là qui au Chili donc c'est ça que fait Kounian il prend des dispositions pour y envoyer de monde directement au Chili avec de nouveaux matériels justement pour y aller travailler la journée qu'on la nuit pour délai à respecter pour nous si au moins dans 6 7 ou bien à 8 mois et que tout et ressortissant nous gagne Frère Action qui est au Chili pour voir si on ta joindre papier ça pour régulariser. Amis téléspectateurs, nous prenons une pause dans le journal. Là. Pas déplacé, nous tournons un petit moment. Dans le pays de l'autre, le président américain Donald Trump a annulé le sommet historique États-Unis-Corée du Nord qui était doit fait dans 3 semaines dans le pays Singapour. Chef d'État américain a avancé collé à hostilité régime Pyongyang comme raison qui est à la cause li prend décision ça. Moi estimé moment pas propice dans niveau ça pour ta kembe rencontre ça qui était prévu depuis longtemps. C'est sa chef Maison Blanche là écrit dans une lettre li voyé by Kim Jong-un. Dans lettre ça, Donald Trump parlait tout des puissances arsenal nucléaire américain, li dit il espérait li pas gain pour l'utiliser pendant présidence liant. Dans l'actualité sportive, la boxe, sous initiative en promoteur Jacques Deschamps fils, soirée de boxe Fight Night 1, a déroulé à Soya dans le Caribe Convention Center. Et puis à l'étranger, basketball, Boston Celtic a rapproché lui de finale championnat nord-américain basketball, côté Libat, ailleurs au soir, équipe Cleveland. Nous invitons à suivre. Plusieurs combats pour déroulé à Soya dans le Caribe Convention Center, dans l'occasion soirée Fight Night 1. Sous initiative promoteur Jacques Deschamps fils, c'est près l'occasion pour deux boxeurs haïtiens yo, Evans Pierre et Wilkie Confort passer un autre cap dans carrière yo. En pile disposition déjà prend pour bon déroulement soirée ça d'après organisateur yo. Gen l'autre boxeur qui sorti dans pays Venezuela, Cuba et République Dominicaine cap gen pour participer dans soirée ça. Evans Pierre haïtien pral face à dominicain Orlando Giono, Wilkie Confort haïtien qui pral mesurer li ak mexicain Rodrigo Mejia, c'est quelques parmi combat qu'a prétend fanatique noble Ario dans soirée ça. Reine pays Espagne là, Laetitia Ortiz Roca Solano mette bout hier mercredi à qui ont visité des jours dans pays là. Avant reine aller les visiter ensemble avec première dame République là Martine Moïse diverses institutions tant coup Saint-Cécile Vincent Paul dans Cité Soleil Musée Panthéon National Haïtien. Président République là Jovenel Moïse qui dégain avec lui première dame là Premier ministre Jacques Guy Lafontaine te recevoir reine Laetitia Ortiz dans Palais National. Ministre Affaires sociales et travail là Stéphanie Auguste a présenté système information ministère Affaires sociales et travail mercredi 23 mai 2018 là. Zoutissa qui pote non 6 masques pral permettre l'État haïtien ensemble avec Patnelio gen information sur quantité moun qui plis dans situation difficile dans le pays. Rectorat UH la honoré différentes entités universitaires dans une cérémonie qui déroulait à mercredi 23 mai 2018. Non page sport. Local n'a pas les box côté promoteur Jacques Deschamps fils annoncé en soirée box qui porte nom Five Night One à souhait jeudi 24 mai à Nantes. Et bien voilà, c'est la journal la boude pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. L'invité était branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bon après-midi tout le monde.